Changer la direction de la musique qui avait été prise auparavant, et il l'a fait avec des signes. Tous les gens de son orchestre n'ont absolument rien compris à tous les signes qu'il a fait, et ils se sont dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et depuis 25 ans, le langage a grossi, les signes qui au départ étaient plus à un signe correspond à un type de musique ou un type de jeu instrumental, sont devenus de véritables mots avec lesquels on peut combiner des phrases, et qui donc vont avoir un résultat sonore différent. Donc, il y a une manière de s'adresser, il y a une réelle syntaxe. Lorsqu'on fait du sound painting, il y a toujours un mot qui dit à qui on parle, un autre qui dit quoi faire, un autre qui dit comment faire le quoi, et un mot qui dit quand faire. Par exemple, une séquence typique, c'est tout le monde joue une note tenue, piano, et quand, maintenant. Et toutes les choses peuvent être affinées. Ensuite, il y a par exemple du pointillisme avec un rock feel, un sentiment rock, ou bien pointillisme avec un tempo lent, pointillisme en parlant, pointillisme en chantant, etc. C'est un langage qui est en train de se coder. Enfin, c'est des musiciens qui en font, sont, à chaque fois, vous pouvez apporter des nouveaux éléments. Oui, évidemment. Évidemment, c'est et en fait, c'est repris, c'est quoi? Oui, c'est repris. On se réunit les uns avec les autres quelquefois, en général des sessions d'été, et puis on met les signes qu'on a inventés pendant l'année, si on a eu besoin de créer quelque chose. On remet ou on réharmonise des signes entre eux pour que ce soit plus cohérent, qu'il y ait des possibilités d'évolution du langage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 750 signes, mais qui ne s'adressent pas seulement à des instrumentistes, mais aussi à des comédiens, à des chanteurs, à des poètes et des danseurs. Parce que là, on a vu un petit peu dans la position, il écrit à un moment, enfin, vous le faites parler. Oui. Donc, comment ça, je voulais venir avec votre travail avec ces enfants, comment ça s'est passé? Pas seulement avec ces enfants-là, mais avec d'autres, vous avez déjà joué avec d'autres. Comment ça se passe? Ils sont super motivés, on va dire. Oui, oui, bah, disons qu'il y a un aspect très ludique, et dans lequel on entre très facilement, surtout à l'âge qu'ils ont, mais pas seulement, parce que les adultes, les personnes que vous avez, ça marche très bien.
choses pas tout à fait banales, des choses qu'on ne fait pas habituellement. Et le sound painting, c'est une technique d'écriture par le geste, d'improvisation en direct, de composition en direct. Et la grande force, je crois, de cette technique, c'est non pas d'essayer de remplacer tous les siècles de l'écriture qui sont derrière nous, mais au contraire d'essayer de faire des choses que le papier nous permet de faire. Et c'est là que cette technique devient vraiment utile, c'est quand justement on peut faire sonner à l'orchestre d'une autre manière que par l'orchestre d'une partition. Et là, c'est d'utiliser les deux parce que le sound painting n'exclut pas les choses écrites, puisqu'on peut intégrer complètement des partitions répétées, bien des éléments comme on en avait deux tout à l'heure dans notre répétition, des éléments qu'on a répétés ensemble hier et qui peut-être, si l'envie en prend tout à l'heure, pourront ressortir ou pas en fonction des douleurs, puisque au final c'est une improvisation du chef d'orchestre et des musiciens qui dialoguent par ce langage des signes et qui proposent une invention, une musique inventée sur le moment. Jusqu'au 26 mars dans les 4 départements de la région. Hier soir, c'était au tour d'Avermes, près de Moulins, d'accueillir un concert de sound painting. Laurent Pastural nous propose de découvrir cet univers musical tout à fait particulier. Et que peut se passer ? J'aime pas le chocolat ! Ultime réglage pour Vincent Liquang, chef d'orchestre et les élèves de l'école de musique de Moulins. Dans quelques heures, ils seront sur scène pour un concert improvisé de sound painting. Il y a une réelle syntaxe lorsqu'on fait du sound painting. Il y a toujours un mot qui dit à qui on parle, un autre qui dit quoi faire, un autre qui dit comment faire le quoi, et un mot qui dit quand faire. Une séquence typique, c'est tout le monde joue une note tenue, piano, et quand, maintenant. Il y a par exemple du pointillisme avec un rock feel, un sentiment rock, ou bien pointillisme avec un tempo lent, pointillisme en parlant, pointillisme en chantant, etc., etc. À quelques minutes de l'entrée en scène, c'est l'effervescence dans les loges. Ils ont entre 10 et 14 ans, de 1 à 10 ans d'instruments derrière eux, et tous se sont appropriés très vite cette nouvelle façon ludique de faire de la musique. C'est ma première année. Et ça fait quel effet d'être sur scène la première année alors ? Ben, c'est super. Je suis allé pour voir ce que ça donne et vu comme ça m'a plu, j'ai continué. On a dû commencer avant les vacances de février, on a eu 2 jours de répétition. Et hier, on a eu aussi une journée de répétition. Ça te plaît ça ? Ouais, c'est une autre manière de jouer. Le sound painting, c'est une technique d'écriture par le geste, d'improvisation en direct ou de composition en direct. Et la grande force, je crois, de cette technique, c'est quand justement on peut faire sonner un orchestre d'une autre manière que quand l'orchestre lit une partition. Né il y a 25 ans, un peu par accident, dans un orchestre de jazz, cette nouvelle expression musicale ne cesse de se développer. Plus de 750 signes sont aujourd'hui répertoriés. Hier soir, parmi ces jeunes musiciens, le sound painting semble avoir fait de nouveaux adeptes. Ce journal est terminé. Demain, c'est Pierre-Olivier Bell que vous retrouverez pour les informations régionales et Yves Meunier pour le journal des sports. Très bonne soirée à tous.